T-shirt à l'effigie de Donald Trump, casquette à l'effigie de Donald Trump et même kippa à l'effigie du candidat républicain. Difficile d'échapper à la Trump-mania qui s'empare de Cleveland pendant 4 jours. Aujourd'hui démarre dans cette ville du nord-est des États-Unis la convention du parti qui doit consacrer le couronnement du milliardaire. Il y avait une certaine controverse au début. Et puis ça s'est atténué et nous nous sommes tous unis derrière Trump d'une façon ou l'autre et très heureux que Mike Pence soit vice-président. Mike Pence, c'est le gouverneur de l'Indiana, colistier désigné par Trump. Après la tuerie homophobe d'Orlando et les meurtres de 8 policiers, cette convention se tient dans une ambiance particulière avec un débat sur les armes à feu. La police a demandé que le port d'armes soit interdit, mais le gouverneur de l'Ohio a répondu qu'il n'en avait pas le pouvoir. Ambiance tendue aussi avec toujours la présence de manifestants anti-Trump. Selon les derniers sondages, la rivale démocrate Hillary Clinton l'emporterait avec un peu plus de 3 points d'avance.